Bonjour à tous, bienvenue à tous sur la chaîne Cosmos Vision et aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va aller chercher les nouvelles jantes de Yann. Donc il les avait commandées chez Vaugard Fréjus il y a un mois. Et du coup là on va les chercher, donc on part en direction de Fréjus. Il est 8h du matin, voilà il y a Yann. Pour le montage de ces nouvelles jantes. Et cet après-midi, on va se rejoindre au local où travaille la FRD, donc French Riviera Drift, les collègues, où on va rejoindre Flog, Théo, Romain, et voilà. Et il y aura même Baptiste. Donc voilà, le résumé de la journée. On se tient au courant. À tout de suite. On vient d'arriver à Vaugard Fréjus, voilà, après 30 minutes de route. C'est dommage, je sais pas trop l'or. Mais c'est stylé quand même. Il est fané parce qu'il voulait ça en or. C'est pas grave, un petit coup de Posca. Ah, c'est mauvais, hein. Dans l'avance. Je pensais plus là. Petit montage de pneus. C'est du combien sur celle-là? 8,5. Ouais. Et le pneu c'est quoi? 2,15. Ok. Quart d'heure, c'est fait, c'est monté, jantes, pneus, tout, voilà. Équilibrage aussi? Ouais, voilà. Voilà. Bon, là, du coup, l'impôt, c'est normal, avant, il avait du 15, je crois. Là, maintenant, c'est du 17. Donc, voilà. Ah, on dirait un camion citerne. Facture de cement. Alors, la facture? J'ai mal. J'ai mal. Bon, du coup, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est acheté, pas mal, gars. C'est monté. C'est street. Ouais. Bon. Qu'est-ce que t'en penses en vrai? En vrai, c'est pas mal. Il manque un peu de speed devant. Là, on dirait un bateau. Là, c'est un bateau mouche à l'avant. Oh, il y a maman qui passe, frère. Bah, t'inquiète, on va rabaisser tout ça. Bah, à l'arrière, c'est beau. Là, un petit plan comme ça, là. C'est beau. Une M3, une M3 d'origine, on dirait. Ça va être vénère. Bon, les gars, on dirait Yann. Attendez, je vais doubler Yann. Il a les mêmes jambes. Voilà, on est à peine arrivé au local FRD. Donc voilà, là, il y a l'automobile de compète, la petite Vago Théo. C'est une des caisses qui m'a inspiré pour prendre un touring. Elle est tellement vénère. Tue sa mère. Voilà, donc on est arrivé. Et moi, je me suis rendu compte que ma caisse, elle sentait l'essence. Donc du coup, je demande à Théo, qui a un touring. Je dis, ouais, elle sent l'essence, c'est bizarre et tout. Il me fait, regarde sous la banquette, c'est sûr, c'est ça. On regarde. Voilà. Frère, oh, attends. Il y a au moins 2 cm d'essence. Déjà que ça consomme 10 litres au 100, alors là ça consomme 10 litres au 100 à l'arrêt le machin. Oh, frère, je mets mon doigt. Ouais, c'est la durite. Ouais, c'est la durite qui a sauté. Elle est pas là. Elle est pas là? Non. Je crois qu'elle l'avait pas. Est-ce qu'on serait pas en train d'éponger la Vago? Ça va. Bon, en tout cas, si ceux qui ont des E36 vous sentez une petite odeur d'essence. Bah ça vient, vous enlevez la banquette comme ça. Vous avez des trop-pleins qui sont là. Vous enlevez 4 vis là, et voilà, ça vient d'ici. C'est ouais, ça là. Toute la merde, voilà. Là, frère, regarde ça. Ouais, c'est juste celle-là, la durite là, non, qui est reliée ici, elle a sauté. Donc voilà, bon, on va remettre une durite et c'est reparti, hein, comme en l'an 12. Là, il y a notre ami Théo. Regardez, on va zoomer un peu comme ceci. Parce qu'il est très beau, on peut se le dire quand même, c'est un beau gars. Bon voilà. Ouais, donc voilà le local. Le fameux. Voilà les automobiles. Voici son automobile. Voilà, regardez. Regardez-moi cette pépite. Voilà. Placement de produit.
Après voilà, elle est propre, hein. Y a pas de... le pare-brise est bien, le covering un peu camouflage comme ça est bien fait. Hein, c'est bien fait, c'est une belle voiture. Voilà, le fit. Bon, je vous cache pas qu'il y a un peu des... voilà. C'est un peu quelques années qu'elle est là. Mais... regardez-moi ce fit. Là, là on est plutôt pas mal. Ça, bon, c'est obligatoire. Si t'as pas ça et que tu fais du drift, t'as rien compris. Ils te prennent même pas sur le circuit si t'as pas de risque. Là, voilà. Hein. Regardez, vous ouvrez, ça s'ouvre, c'est parfait. La jante Alfa Romeo. neuf, hein, pneu neuf. Hein. Bah voilà, regardez. Je fais un petit zoom, voilà. Et t'as des pneus, vraiment, on peut dire que, voilà. Hein. Quand il prend soin de la mécanique, on peut dire que c'est un mec, voilà. Hein. Ça tue de ouf. Donc voilà, la petite Mini, j'avais ça avant. Stylé. Voilà, la Cox des familles. Qui on a pris un arbre avec. Ouais, stylé. Et donc du coup, ça remplace en fait celle-là. Et... il y a un gros projet en... gros projet en approche. Gros projet, non, mais... les projets. Remontage. On va pas partir là, du remontage. Il faut teaser pour les prochaines vidéos. Et... donc voilà le local, hein. Notre ami Romain, le check, check du virus. Le check. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se présente, hein. Moteur sur palette. Pareil, hein, regarde. Ça, c'est leur signature, hein. Ça, c'est obligatoire. Ça, là, au même endroit, là même. La jante, pas trop basse, c'est parfait, c'est nickel. Donc intérieur, ben voilà, hein, franchement, neuf. Non mais neuf. Hein. Voilà, c'est... bon. Il y a plus une cave qu'un intérieur, mais après voilà, c'est... bah, c'est normal, et après c'est que pour les sorties circuit aussi. 206, hein. 206 de pistes préparées, d'armes... allez. Allez, on va voir la petite... oh la beauté. La beauté, la beauté. La 206 KFC. Le sponsor officiel, FRD. C'est pas beau mon gobain. Wow, arceau et tout, c'est beau. La porte, elle fait 2 grammes. Petit volant racing. Oh, y a plus rien, c'est vidé. L'arceau de bâtard. Ça tue. Petite ligne d'échappement sur mesure, petit arceau cage. Mais alors ? Juste un petit passage comme ça, tac 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 tac, et là ça part, voilà. C'est un petit teasing. Et voilà mon copain ! Regardez, c'est pas rouillé ça, c'est neuf. En fait, je fais pas une présentation du garage, je fais une présentation des pièces du garage. Ouh là là, attends, pardon, pardon, je suis allé un peu trop loin. Donc le plastique, voilà. Ou de plus monte la BM, mets le drip et mets le frein à main, voilà. T'es courrier ou t'es portugais toi? Il est... écoute-moi, Mohamed. Regardez qui arrive. Faudrait que je passe sur Adobe, mais bonsoir. Ah bah impeccable, on est raccord, raccord timing. Du coup l'histoire est dans les rêves. Alors. Tout commence ça. Tout commence ça en l'an 50 avant la naissance. Ben non, c'est après Jésus-Christ du coup. Non, bon, c'est avant. Non, mais c'est... non, mais c'est pour avant, situer. C'est avant ou après les dinosaures? C'est avant ou quoi? Ouais, c'est avant ou après le Moyen-Âge? Bon, c'est lui le. Des planctons. C'était planctons. Non, mais non, mais rigole, parce que le gangbang. Le gangbang. Non, je voulais dire le big parce bang. Parce que le gangbang. Compris... ça, c'est du gangbang. Team PSR. J'ai confondu le big bang et le gangbang. Ah, là, là, là. C'est pas fait exprès. C'est les rabats, c'est de l'autre côté. J'ai acheté ça, Polytrol, recommandé par Bastien Laune. Donc voilà, qui est un ami BMW. Donc voilà, c'est pour rénovateur tout support, plastique, chrome, métal, enfin pour tout en fait, tu mets sur tout, la voiture elle est neuve. Et en fait c'est pour mes barres de toit, qui sont un peu ternies, là sont noires mais noires un peu gris quoi, elles sont ternies avec le soleil. Les montants aussi, tout ça là, et là ça va revenir vraiment bien noir. Donc on va essayer ça, direct. C'est ça les amis, hein. Je vois pas. Tuning ça, mon snapper. C'est que tu tirais pour justement pas que tu vises, tu tires. C'est un petit tip comme ça, c'est gratuit, je te le dis. Tu tires là? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Et c'est bon. Putain, le développement il est pas mauvais là. Et là il y a du concept là. Regardez là, on voit même la petite languette claquée. Voilà, on enlève. Et là regardez bien, une petite clichette.
On m'a dit de pas en mettre trop. On va essayer une petite lichette là. De mon côté. Vas-y, quand même, pas trop. Hein. Voilà, comme ça. Et après là, tu mets. Vous appliquez. Il faut pas en mettre sur la carrosserie parce qu'il paraît que ça mange la peinture d'origine. Vous appliquez comme ça. La différence, il est là. Et là, c'est juste, il faut attendre, hein, ils disent. Hein. Mais voilà, là, regardez. Bon, voilà. Bah, ça pète, hein. C'est vrai que c'est plus grand. C'est bon, on vient de finir de passer le produit. Donc voilà, hein, vous pouvez voir, ça tue de ouf. C'est franchement. Et encore là, demain, ça va être encore pire. Ça va s'accentuer. Mais là, le noir. Et ça, voilà, là, c'est un peu gras, mais ça va rester comme ça. Hein. Les rétros et tout, tout. Franchement, ça fait même un aspect neuf. Même là, avec la lame, on dirait que c'est presque les mêmes couleurs, alors que ça, c'est tout neuf. Donc voilà, franchement, un bon produit. Pour tout ce qui est plastique un peu passé. Les fermetures de portes et tout. Les montants. Voilà, c'est nickel. Bon, allez, on va voir un peu ce qu'ils font à l'intérieur, les autres, là. Elle tourne, même une horloge ça tourne moins bien carrément. Il y a la radio et tout, oh bon. Oh, j'ai le CD. Oh lecteur CD, oh bon. Oh le bâtard. Il a mis YouTube le bâtard. Max Feeling Wrong. Ça c'est du gamos. Ah tu veux pas un poste? Ah bon, ta glace quoi. Eh ben elle va bien cette voiture, qu'est-ce que je me fiche. Rentre là, putain de merde. Ouais c'est bien. Ouais c'est bien, vas-y go, vas-y. Vas-y, voilà. Change, change. Vas-y, fais des pompes. Non mais c'est bon. L'automobile, regardez, je vous fais découvrir un peu ça en direct. Regardez un peu. Alors nous avons un quick shift du seigneur. Pour les passages de vitesse court, nous avons le frein à main du seigneur. Frein à main du seigneur pour les bons freins à main en épingle. Ce doux volant tulipé. Voilà. Le cockpit. À l'arrière, toujours des pneus de rechange obligatoires. Avec de belles jantes. Le petit Instagram du frérot. Voilà, voilà. Hein. Ça, c'est pas mal aussi, ça là. C'est parfait. Que penses-tu de ce véhicule ? Oh, combien ? Bon, t'avances ou quoi, les harnais, héros ? On va y arriver à rentrer avec les harnais ? Mettre un boulon, quoi. De longues heures de galère, de perçage et tout. On va bientôt arriver à mettre cette putain de barre de merde. Pas trop vite. Pour aller chercher des meufs. Ça va le faire, je le sens, je le sens. Derrière moi, ça, c'est neuf. Ça se voit presque pas que t'as des rondelles. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as dit? Là, faut aller filmer parce que s'ils font vraiment ce qu'ils veulent faire. Ça va être comique. Ah ouais. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Déjà, là, ça. Là, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qui va se passer là? Aujourd'hui, dans Comment être un con. Là, ça. Déjà, le concept. C'est qui tout doux? À l'image, en fait, le concept est foiré. Tu sais que quand tu vois un truc qui va foirer, tu sais que forcément ça va foirer. Parce que je suis pas sûr qu'il y a pas. Attends, on va faire un truc. Non, mais la mousse ne servira à rien. Ça va être coupé. Vas-y.
ça. Là t'es fit. Là c'est fit hein. Vas-y. Super bien cette voiture, mettez un commentaire pour faire un check. On va dire au revoir à Romain FRD qui nous a gentiment accueillis en cette belle journée. Mais gonflé. Super, super. Bon, on mettra son Instagram en description. Et voilà, FRD, abonnez-vous aussi, c'est des bons gars, ils sont cool. Ils travaillent bien, ils sont beaux. Ils sont. Qui Cosmo? Non, moi j'ai pas foutu grand chose aujourd'hui. Non, mais j'ai bon. J'ai tellement envie d'avoir une RHD frérot que je me mets en passager. I'm gonna drop some buzz. Tu vois, lui aussi m'a gonflé. Lui aussi m'a gonflé. Voilà, abonnez-vous aussi à notre ami Théo FRD parce que lui. La c'est de fer, oh, putain. Tu peux tout faire. Je suis sûr, ce mec. Ah, ça fit, mais nickel. Ouais. Ça frotte pas rien. C'est une barre de fitment, on appelle ça. Ouais, c'est la barre de fitment. On l'a vu en grosse charge avec la secousse, bon, on va toujours. Merci mon petit. Mais de rien. Ça c'est une belle voiture homologuée ça. Ouais. Street légale elle est celle-là. Street légale c'est beau. Pneu neuf. Ah pneu neuf ça c'est beau. Quant à ça, ça c'est rare. Oh c'est bien. Bah il rentre bien l'ami, merci beaucoup. Mais de rien. Et à plus hein. Ça va, à plus. Ciao gros. Ciao ciao. Aïe. Tu vas chez toi. Ah c'est quoi. Eh, ça fait une cheville. C'est bon, le gravier a fait taf. C'est bon. Ouais, il y avait un caillou. Attendu la cheville avec un caillou. Bon, là, on est enfin bon, là. Regardez cette barre, là. Là, c'est parfait. Oh, après une journée à galérer, là, regardez. Une vis là. Une vis là. Là, je vous montre un peu le système du seigneur. Voilà. Regardez. Bon, on en a chié, enfin il en a chié. Oh putain, là ça part en bataille d'eau, les gars. Ça va pas du tout. Bon, les amis, voilà, fin de journée. On remballe. Bon, voilà. Bah, fin de journée avec Yann, Laetitia. Baptiste, donc on a monté la barre, s'occupé du touring, on a rénové tous les plastiques, on a fait le feu avant, eux ils n'ont rien fait du tout, mais spectateurs. Voilà. On a fait le fit sur la BM de Flog. Voilà, bien, bonne journée avec les collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, il y aura plein d'autres vidéos comme ça. Abonnez-vous, likez, partagez, suivez-nous sur Instagram et voilà, il y a encore. Et donne pause blow. Allez, ciao ciao.